soon. I'm resting with the angels, they'll carry me to you. Relax, my dear, we'll see each other soon. On s'est installé à Punta Arenas parce que c'est un lieu mythique pour la pêche de permite, que c'est un poisson de rêve pour les pêcheurs à la mouche. En plus, la pêche avec les guides et les bateaux, il est contingenté la biosphère. Il a dit il y a un tot numéro de bateaux et c'est bon, il n'y en a pas plus qui ont le droit de sortir à la pêche. La pêche commerciale s'interdit, la pêche avec les filets s'interdit et donc ça va rester comme ça, j'espère, pour beaucoup d'années. La lagune, il est très grande et on a des différents spots de pêche. Et c'est tellement vaste, c'est tellement grande qu'il y a forcément des endroits qui ne sont pas perchés pour des semaines. Chaque marée, chaque changement climatique, il fait sortir et fait entrer de nouveaux poissons. Donc les poissons, ils bougent tout le temps. Il y en a toujours des frais qui vont entrer, toujours des autres qui vont en sortir. Il y a un recyclage de poissons énorme. La pression de pêche, c'est vraiment nul. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de spots où tous les jours, on peut y aller pêcher et on peut avoir tout. Les autres loges qui sont situées différemment, ils n'ont pas un area de pêche aussi importante. Ils ne peuvent pas y aller partout. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'essence. Et donc, ce n'est pas possible. Nous, on est placé dans un coin où on peut partir à la pêche dans toute la baie et dans toute la lagune. Ça, c'est très important parce que quand on a des changements climatiques, des vents ou de la pluie, on a toujours le bon endroit où partir à pêcher sûr. On a des spots pour bien pêcher même si les conditions sont adverses. From the heavens to keep you safe from harm. C'est un site exceptionnel pour faire les grands slams. Le Grand Slam, ça veut dire prendre 3 des 4 poissons mythiques IGFA classés Grand Slam. Et si on fait 4 poissons mythiques, c'est le super Grand Slam. Il y a des pêcheurs qui font 3-4 permis dans la semaine. Et ils font 2 ou 3 Grand Slam dans la semaine. C'est un rêve. C'est un rêve. L'adrénaline, il peut monter de 0 à 100 en 2 minutes. Et ça, c'est vraiment de la dynamite. C'est quand même une pêche qui est très différente de ce que j'ai l'habitude de pratiquer en rivière. Les poissons ici ils bougent très très vite et c'est ça qui fait toute la difficulté et qui fait toute la montée d'adrénaline. J'ai une longue expérience de la pêche en rivière. Je pensais en arrivant que ça me servirait peut-être et que je verrais les poissons très facilement. Et en fait, on a beau dire, j'ai remarqué que je suis reparti de zéro. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une façon très différente de chercher le poisson. Le mouvement de l'eau en surface est très important. Ils appellent ça les nervous water. Et effectivement, de voir l'eau bouger, de voir la vaguelette ou la vague qui est créée par les poissons, que ce soit les bonnes fiches ou les permites, c'est quelque chose de très important. Là où voilà, j'ai senti une énorme différence avec les guides locaux, et notamment Juan, c'est que dans plusieurs cas, j'ai réussi à voir le poisson, mais seulement quand il s'est approché de nous. Eux, ils les voient à une distance qui est absolument impressionnante. On voit qu'ils ont l'œil qui est très très exercé à ça. Ok. Stop. C'est épais. Sip. Ce qui est hyper intéressant à Ascension Bay, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est la partie la plus intéressante, c'est la taille de la zone de pêche. C'est-à-dire que c'est vraiment immense. Il y a un territoire qui doit faire quelque chose comme 40 km sur quasiment 90 km du nord au sud et d'est en ouest. L'autre point qui va avec ça et qui rend la destination très intéressante, c'est la diversité des poissons. C'est-à-dire que effectivement, on est sur la capitale mondiale ou probablement l'un des plus gros hotspots de pêche au permis dans le monde. C'est d'ailleurs pour ça que la destination est très réputée. Mais à côté de ça, on peut prendre du barracuda, on peut prendre du bonefish, on peut prendre du tarpon, on peut prendre des jacks. Donc il y a tout l'éventail des poissons en pêche exo. Et si un jour, malheureusement, on tombe sur des bonnes conditions, il y a plein de solutions de repli et c'est hyper intéressant pour la pêche. I come through like I do when the world keeps testing.
Ça, c'est un des moments qui m'a beaucoup plu, la traque des permites comme ça sur les flats, en descendant du bateau et en essayant de les suivre dans l'eau. Et moi, je m'étais dit, mais pourquoi ne pas aller pêcher des poissons comme les jacks qui tirent beaucoup, ou les barracudas, ou les tarpons, et finalement s'amuser plutôt qu'aller s'embêter à traquer des poissons qui sont difficiles. Et en fait, il y a une adrénaline très particulière dans la traque de ces poissons-là, parce qu'on sent que dès qu'on en voit un, tout le monde est en tension sur le bateau, tout le monde est capté sur le poisson, et vraiment, l'autre pêcheur sur le bateau est attentif. L'assistant guide, il est sur le qui-vive. Le guide, on sent qu'il est vraiment hyper concentré. Et il y a une tension particulière dans la pêche. Il y a une adrénaline particulière qui fait que c'est vraiment hyper intéressant. Really nice one. Very good moment. Good luck. You need to kiss him. La formule qu'offre Punta Allen Fishing Club, c'est d'avoir un bateau avec deux guides. Et là, ça me faisait un petit peu peur de me dire, ben, on va être beaucoup, ça va être assez... Et en fait, c'est au contraire d'une efficacité redoutable parce qu'on est tous à scruter. Il y a celui qui est à la perche, qui est ben, au perché, qui voit, qui scrute et qui donne les conseils au guide qui est à côté du pêcheur. Et l'avantage, alors, il se décuple quand on a la chance de descendre pêcher des permites parce que là, le guide nous prend, nous amène, il y a l'autre, il communique avec l'autre guide qui est resté sous le bateau pour avoir des informations. Et sincèrement, quand on est dans l'eau, tout seul, il y a 75% des poissons qu'on ne verrait pas. On a traqué le poisson, on l'a traqué du haut, on l'a cherché, on l'a trouvé. Aussitôt, on s'est mis en action, mais en descendant du bateau. Et après, ce qui me plaisait, c'est que Juan, notre guide, venait nous tirer, nous amener, et là, c'est une histoire. Énorme, c'est simplement énorme. They wanna get my gold on the ceiling. On a l'impression d'être en famille. On a l'impression d'être en famille, on est accueilli, on se sent comme chez soi. Donc avec les guides, on a des guides qui sont extra à notre disposition, des guides qui sont nés là, qui communiquent avec nous toute la journée. Mais on se retrouve le soir à partager encore avec eux le repas, avec l'équipe dirigeante. Et ça, c'est et avec les autres pêcheurs. Et ça, c'est des moments intéressants parce que habituellement, souvent, ben, quand la partie de pêche est finie, chacun repart dans sa chambre d'hôtel ou dans... Voilà, là, ça fait une unité. On est parti, on est arrivé avec une équipe et avec l'équipe, on a vécu, on vit une semaine entière, on vit des séquences de pêche tout le temps. Et franchement, au niveau de l'accueil du service, on sent une volonté d'être présent, d'aider à tous les niveaux. Les guides, Juanito notamment, est né ici. Il connaît la zone comme le fond de sa poche. Mais ça ne suffit pas de connaître une zone comme le fond de sa poche. Il est pêcheur à la mouche. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'un pêcheur peut faire. Il analyse très rapidement le niveau technique et les attentes de son client. Et par rapport à ça, il va adapter sa recherche du poisson et il va avoir des exigences différentes. Il se donne à fond et il a envie que tout le monde se donne à fond.
I am fisherman. I like to speak with fishermen because that is very important for the guy and fisherman. Try my best when I working. I practice a lot of years, 12 years for guiding. Yeah.